Dunkerque. À ses côtés, champion de France et triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, Pierrick Fédrigo, vainqueur du Critérium international et vainqueur cette année de la course, donc de l'étape du Col de Spédale. À ses côtés, nous avons le sprinter Nasser Bouhanni, qui a gagné à Bessèges, au Gabon, deuxième à la Flèche d'Émeraude. Un autre ancien vainqueur des 4 jours de Dunkerque, qui fait également champion du monde sur piste et qui a été l'un des animateurs majeurs de Paris-Roubaix 2012, Mathieu Ladagnous. Et à ses côtés, eh bien, ce coureur au tempérament exceptionnel, on l'a vu dans toutes les classiques. C'est vrai qu'il fait exploser le peloton, c'est l'un des meilleurs baroudeurs qui soit. On le connaît bien dans la région nordiste et on peut le saluer. David Boucher qui s'est à nouveau distingué donc dans les classiques, on l'a vu à plusieurs reprises, et qui a regardé le visage volontaire de David Boucher. Ça ne trompe pas, merci d'applaudir l'équipe FDJ Big Mat. Voilà, derrière l'équipe FDJ Big Mat. Personne ne comptait, c'est qu'on ne trouve pas ailleurs. Ici, nous sommes là, les collectivités rassemblées, nous soutenons les 4 jours, et regardez, la confrérie d'Hilaire Patak, le géant de Rosendal, ils sont là au premier rang pour soutenir cet effort en faveur des 4 jours. C'est une communauté humaine d'abord qui accueille les 4 jours, parce que c'est formidable comme image pour le Nord-Pas-de-Calais et comme réputation en termes de pratique sportive. Merci en tout cas d'être là. Merci, merci à vous. Ensuite, voilà, on va